Merci à tous d'être présents. La section de Fontaine de rive gauche du Drac et du Plateau vous remercie de votre présence et vous souhaite bienvenue. Nous sommes très heureux, effectivement, d'avoir autant de monde aujourd'hui. Vous avez été généreux, comme d'habitude. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent impatiemment ce moment-là chaque année et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à l'organiser. On a eu pas mal de boulot cette année, on a bien travaillé, notamment, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé, de la campagne qui s'est passée sur la Poste et où on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup, beaucoup de désespoir, des gens en colère, des gens qui souffrent, des gens qui nous font extrêmement confiance et qui nous reçoivent bien, mais c'est un petit peu là tout notre rôle, c'est retrouver le sens du combat commun, hein, qui se replient sur eux-mêmes et qui n'arrivent plus à dialoguer. Ils sont contents de nous voir. Nous jouons notre rôle d'éveilleurs de conscience, hein, comme disait Robespierre. Mais on fait ce qu'on peut, on essaye, on voit, on revoit. C'est très difficile. Il y a un très grand individualisme parce que la société est capitaliste. Ça va sur ces gens-là au quotidien. Nous travaillons, nous faisons ce que nous pouvons, mais il faut encore renforcer notre activité. Et quand on est suffisamment actif, les choses peuvent changer. Alors, on dit que le système capitaliste est à bout de souffle. Au niveau historique, il n'apporte plus rien. Hein ? À un moment donné, il a permis certains développements. Actuellement, il se fait au détriment de l'humain, de la nature. Hein, et on voit bien ce qui se passe autant sur le plan international, avec la multiplication des conflits, qu'au niveau interne, avec les nouvelles lois, comme notamment la loi régressive sur l'école, hein, une loi ségrégationniste, on va dire, qui engage la société. Hein, donc ça va beaucoup plus loin que le projet d'école. Hein. Alors, nous, eh ben, on fait ce qu'on peut et on essaye de reprendre la main sur nos vies. Et ça me permet d'aborder le sujet qui est pour nous le deuxième d'actualité. Le premier d'actualité actuellement, ce sont les européennes. Nous vous engageons à signer la pétition qui est là-bas. Et reprendre la main, ça veut dire pour nous, dans cette campagne, essayer d'avoir des députés au Parlement. Mais pourquoi faire, vous allez dire. Alors, vous savez que pour avoir les députés, il faut qu'on passe les 5%. Alors, pourquoi faire? Eh bien, effectivement, vous allez dire 5 députés en plus, 5 députés en moins. Pour nous, c'est important parce que en ayant une oreille dans les parlements, on est capable déjà d'anticiper des buts, on est capable d'écouter, on est capable de créer des liens avec d'autres partis européens sur des sujets européens, comme il y a des sujets comme les transports, comme l'énergie, comme les migrations, tout ça, ce sont des sujets européens qu'on doit se saisir, mais c'est mieux, on peut s'en saisir mieux qu'on est informé. On vous engage à faire participer tous vous déjà, vous allez, si vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes pour aller voter, pour faire des procurations, dites-nous-le tout de suite, on installe les procurations et faites voter auprès de vous. Faites voter vos proches, faites voter même ceux qui se sentent un petit peu éloignés de cette élection. Essayez de les décider. Si vous en avez besoin, appelez à la section. On délivrera du monde pour aller chez vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut que chacun fasse ce travail de militant de proximité. Ces élections, le 9 juin, qui pour nous, ça serait vraiment une étape si on arrivait à franchir ces 5%. Et puis le deuxième événement, effectivement, de fin d'année où on se retrouvera sans doute encore plus nombreux, c'est la fête du travailleur alpin qui se déroulera cette année à Saint-Égrève le 28 et le 29
juin. Pour vous situer, c'est à la mairie de Saint-Égrève. Et donc, eh ben là, ça sera deux jours. Ben, de fête, comme d'habitude, et puis deux jours de lutte, parce qu'il y aura effectivement des discours, il y aura des débats. Il y aura de la musique, comme d'habitude. Et puis, eh ben, ça sera le moment de clore notre saison militante, en sachant qu'on essaiera d'organiser des permanences durant tout l'été, parce que une deuxième date de travail va arriver bientôt, et il faut qu'on s'en empare dès la rentrée. Je tenais quand même à remercier Michel, à remercier Martine, hein, son bras droit, ou alors pour le repas qu'ils ont fait aujourd'hui. Vous avez été généreux, il reste encore à manger, vous pouvez y aller. Et ensuite, eh ben Michel, c'est prêt, vous pourrez commencer à vous approcher. Bah, je vais être hyper court, parce que vous connaissez très bien la fête du TA depuis de longues années. On vous attend toutes et tous, tout simplement, avec beaucoup de plaisir à cette fête. Et puis, moi, j'ai un peu à double casquette parce que je suis aussi à la section de Fontaine. Et je croise les doigts pour deux choses. La première, c'est que la fête, elle se passe super bien et que ce soit une réussite. Et la deuxième, c'est que le stand de Fontaine, il soit dynamique et que les gens se dirigent vers nous. Voilà. Allez, bon appétit à tous.